un service d'action au milieu ouvert, comme il en existe un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous, nous sommes situés à Combles-aux-Ponts, dans le sud de la région liégeoise, et on est agréé donc par l'aide à la jeunesse pour travailler sur 11 communes en région Ourthe-Amblève-Condroz. Donc, la mission des AMO, c'est de mettre en place des actions de prévention sociale et éducative au bénéfice des jeunes de 0 à 22 ans. La particularité des AMO, c'est de travailler sur base volontaire, à la demande et en dehors de tout mandat. Les jeunes qui fréquentent régulièrement ou résident sur nos communes peuvent donc faire appel à nous pour mettre en place un projet, un accompagnement de type psychosocial et socio-éducatif dans leur milieu de vie. Alors, ça peut être un club de sport, ça peut être dans leur famille, ça peut être dans leur quartier, dans leur école. Pourquoi on a fait appel à PEV ? Il y a plusieurs années qu'on réfléchit à changer de nom, parce qu'il y a une autre ASBL sur notre région qui porte le même nom, ce qui porte à confusion et nous permet difficilement d'avoir notre identité, en tout cas d'être suffisamment identifiable par le public. Donc on a ici eu l'occasion, il y a un an, de changer, d'acquérir un nouveau bâtiment. C'est dit que c'est l'occasion finalement de concrétiser ce changement de nom, mais on s'est quand même rendu compte qu'après plusieurs années, nous n'y arrivions pas et nous avions besoin d'une aide extérieure. Alors ça tombe bien que le programme Boost de PEV nous propose donc son aide. Donc on a fait appel à Boost pour nous accompagner dans ce changement de nom. Nous avons été très bien accueillis à la TNews et ce après quand même un long chemin de plus de 2 heures. Je me rappellerai toujours le sourire de tous les collègues et participants qui étaient déjà assis autour de la table en train de nous attendre. Allez, hop, on travaille. Maintenant, on commence d'abord par faire un rappel des valeurs et nous avons demandé à l'équipe de la TNews de lister les valeurs de leur ASBL et cela nous a permis de voir vraiment ce qui les motivait. On a ensuite repris tous les questionnaires remplis par les équipes de la TNews d'une part et par les boosters d'autre part, pour les regrouper et les étaler sur un grand tableau en fonction de ce que ça nous inspirait, plutôt un nom, un logo ou une identité visuelle. Et ensuite, nous avons partagé, nous avons regroupé et nous avons également éliminé ce qui ne nous parlait pas, éliminé aussi certains noms, je dirais, qui étaient déjà connus dans la région. Et pour finir, on a voté. Il en est ressorti 3 grands thèmes, donc le thème de la montagne, le thème de l'arbre et le thème du ressort, de la résilience. Et sur base de ces 3 thèmes, nous sommes divisés en groupes afin de les approfondir et de faire ressortir ce à quoi de faire ressortir réellement l'essence de ces thèmes. Et puis après ce dur labeur, on a terminé dans un moment de partage avec une dégustation de bière et de charcuterie locale. Vraiment une très très chouette journée. Alors Clémentine, la recherche d'un nom, qu'est-ce que cela implique ? Alors ça implique d'analyser les valeurs de la société, de la ASBL ici en l'occurrence. On a dû aussi regarder quel aurait été l'impact d'un changement de nom sur les différentes personnes, qu'elles soient pour ou contre. On a dû aussi regarder tout ce qui était l'aspect plutôt graphique, un logo, peut-être changer aussi la charte graphique, avec un impact sur les documents, les folders. On a dû screener tous les sites, le site internet pour voir où se trouvait le logo, où se trouvaient les logos, où se trouvait le nom, les réseaux sociaux, et il y avait aussi l'impact légal, faut-il ou non changer les statuts. Et alors finalement, vous avez trouvé un nom ? Oui, on a trouvé un nom, on a trouvé Azimut. Alors c'est super ça, vous avez pu commencer à travailler directement ? Hélas, non, parce que Azimut est aussi un nom qui est utilisé par une ASBL de la région, et afin de ne pas se rentrer en conflit et d'avoir le même problème que ce qu'on avait avec la TNews, d'avoir des confusions au niveau du nom, on a décidé de ne pas retenir ce nom, mais par contre, heureusement, tout n'est pas jeté à la poubelle, car il y a eu un énorme travail fait lors de ces workshops, et donc hop hop hop, on s'est vite remis au travail. Et finalement, ce nom. L'association est restée dans le thème de la marche, parce que le meilleur moyen d'aborder une côte est de le faire en lacet, d'où le nom Zig-Zag. Une très belle expérience et une grande joie d'avoir pu partager ceci
avec tous des collègues motivés. Une découverte humaine super enrichissante, tant avec les collègues qu'avec les membres de la TNews, et aussi le fait de se rendre compte des réalités que le monde associatif rencontre tous les jours. Voilà, cette expérience m'a permis de découvrir le monde des AMO et surtout l'énergie et la motivation de toutes ces personnes qui épaulent des jeunes au quotidien, jeunes qui sont parfois en grande difficulté. Alors Boost pour moi, c'est avant tout des rencontres, aussi bien au sein de PNV qu'en dehors. Ça a été une aventure humaine extrêmement chouette et j'ai beaucoup apprécié ces un an avec mon équipe. Grand projet qui a duré un an, Boost nous a apporté plein de choses comme... un regard extérieur et de la réflexion. Des compétences et une méthodologie. Des belles rencontres et des bons moments. Une remise en question et des échéances. De l'énergie et du dynamisme. Des encouragements et du soutien. Un résultat concret après des années de réflexion. En gros, Boost nous a boosté. Un mot, un geste et Boost fait le reste. Merci Boost. Merci Boost.